c'est Kevin Giraud. Je travaille à l'agence Daniel Moquet Château-Gontier. J'ai réalisé un BTS NDRC ici même à la CCI. Donc c'est vraiment très professionnel, c'est ciblé très très pro. Par la suite, donc moi j'ai enchaîné avec une licence chez Daniel Moquet, parce que ça se passait super bien. J'ai vu qu'il y avait vraiment une possibilité d'évoluer, donc vraiment de partie, en commençant à la partie ouvrier, commerciale, et puis même pour aller ouvrir une agence, c'est très facile parce qu'on est très très bien formé et très très bien accompagné. C'est vraiment une très bonne entreprise. Donc bonjour, moi je me présente, je m'appelle Jordan André, j'ai 20 ans. Donc moi, avant de venir à la licence à la CCI, donc j'ai réalisé un BTS NDRC à Laval en initial. Donc j'ai eu mon BTS NDRC, ensuite je me suis renseigné. Et c'est là que j'ai vraiment découvert la CCI, en fait, qui pouvait m'accueillir en alternance. Donc avec un rythme de formation de 3 semaines d'entreprise pour une semaine d'école. Donc moi j'ai décidé de faire ma formation chez Daniel Moquet à Alençon. Parce que je voulais aller dans l'aménagement extérieur et je ne voulais pas faire que de la vente, je voulais faire du terrain et de la vente. Donc j'ai vraiment trouvé quelque chose que j'aimais. Donc c'est pour ça. Du coup moi avec mon patron, mon responsable Romain Maurice, dans les années à venir, il souhaiterait couper son secteur en deux, parce qu'on a quand même un grand secteur, donc pour être partout en fait. Et dans le but, c'est que moi, pour le moment, je suis technico-commercial, donc je serai du lundi, mardi, mercredi en rendez-vous au bureau, et du jeudi au vendredi avec les gars sur le terrain, pour me permettre de tout le temps accroître mes connaissances pour le terrain, parce que dans ce métier-là, il faut connaître toutes les technicités pour bien réussir. Dans le niveau commercial chez Daniel Moquet. Mmh. Et du coup, par la suite, le but, c'est que moi, je devienne gérant d'une franchise Daniel Moquet. Et voilà. Donc, la vie à Laval, la vie, elle est assez conviviale. Le soir, souvent, on se retrouve faire un soccer, un bowling, du kart quand il fait beau. Ou quand il y a des matchs de foot, souvent, on se retrouve entre personnes qui aiment le foot, boire un verre au bar en même temps de regarder le foot. Mm-hmm. Ensuite, le jeudi soir, là on est en période de Covid, donc c'est un peu compliqué, mais sinon le jeudi soir il y a quand même pas mal de bars ambiance, il y a quelques discothèques, donc pour les personnes qui souhaitent s'amuser, c'est cool aussi. Et puis, comme vous pouvez voir, il fait souvent beau aussi à Laval, donc vous pouvez profiter de dehors. Et puis il faut savoir que les promos souvent à la CCI, moi ça fait ma troisième année, il faut savoir qu'à la CCI les promos elles sont vraiment très... Il n'y a pas 36 groupes quoi, il y a un ou deux grands maximum, c'est très soudé, c'est main dans la main, on sait, donc on avance ensemble et ça se ressent, on partage beaucoup d'expériences. Honnêtement non, parce que du coup en fait je suis arrivé en octobre et depuis octobre je suis monté en compétences super rapidement, donc ça se passe très bien quoi. Du coup en fait l'encadrement, tout dépend des franchises où vous êtes, mais moi je sais qu'avec mon patron, je suis pas lâché dans la nature, j'étais avec lui pendant plusieurs mois pour faire des rendez-vous pour apprendre, ensuite avec les gars, ils m'ont appris à poser les revêtements. Bon, certes je fais pas tout parce que j'ai pas eu le temps d'assimiler tout encore, mais là ça fait un mois du coup comme je disais que j'ai commencé mes rendez-vous tout seul. J'assimile le terrain plus la vente que j'ai appris, plus les formations qu'on a fait avec le groupe Moquet. Donc ça permet d'avoir des grandes connaissances et honnêtement tout le monde peut réussir si tout le monde fait les choses correctement. Simple, respect, motivé. Voilà. Tout pareil. Tout pareil. Et le sourire. Et le sourire. Voilà. C'est pas mal, attends, le bar, celle-là. Avec une bière. Bon, c'est pas mal.